Bonjour. Merci. Bonjour, je suis Lagou Kipré Enginor, technicien brasseur. Je suis diplômé d'un master en biochimie, spécialité sciences des aliments à l'Université Félix Houphouët-Boigny de Côte d'Ivoire. De plus, j'ai une licence en biochimie génétique et un BTS en industrie agroalimentaire et chimique option contrôle qualité. Je suis rentré à Brasse-Ivoire en juin 2021 en tant qu'opérateur brasseur et aujourd'hui je suis technicien brasseur. Mon challenge s'articule autour de trois mots, à savoir la sécurité, la qualité et l'efficience. En ce qui concerne la sécurité, être actif sur l'identification des situations à risque, le respect des procédures de sécurité, notamment la procédure Loto et l'évaluation des risques. En ce qui concerne la qualité, la réalisation des autocontrôles pour l'obtention d'une bière de qualité. En ce qui concerne l'efficience, l'utilisation de l'outil TPM pour le suivi de nos indicateurs de performance dans le but d'atteindre nos objectifs. Travailler à Brasse-Ivoire, c'est travailler en Gonyi. Comme chez nous, on a l'habitude de dire, on moule le maillot en Gonyi. Et dans ce cadre, chaque collaborateur est impliqué dans l'atteinte des objectifs de Brasse-Ivoire. Travailler à Brasse-Ivoire, c'est aussi se développer à travers le coaching de nos différents managers, mais aussi la disponibilité de notre plateforme de formation en ligne. Travailler à Brasse-Ivoire, c'est être en contact avec les autres filiales du groupe Heineken pour le partage d'expériences. Travailler à Brasse-Ivoire, c'est aussi travailler dans l'enjaillement au cours de nos différentes activités, notamment les staff meetings ou les team building, où nous resserrons les liens entre les différents collaborateurs pour une parfaite cohésion. La première fois que je suis rentré à Brasse-Ivoire, j'ai été vraiment touché par la rupture de barrières qu'il y avait entre les différents départements et les différents collaborateurs, du DG jusqu'au plus petit collaborateur. La plupart des collaborateurs se tutoyaient et cela favorise un environnement sain de travail où chaque collaborateur se sent important et peut apporter son opinion pour l'avancée du boulot. Pour réussir sa carrière professionnelle, il faut être passionné par son travail. Il faut avoir la rage de pouvoir apprendre. Apprendre des collaborateurs expérimentés, mais aussi apprendre de ses erreurs. Il faudrait être engagé, discipliné, car la réussite s'accorde à ceux qui osent. Chez nous à Brasse-Ivoire, on mouille le maillot en bonhomme et on s'enjaille en bonhomme.